Félicitations pour ton deuxième album. J'ai vraiment aimé, j'ai écouté ça en boucle depuis les dernières journées. Est-ce que ça fait longtemps que tu travailles sur cet album-là? En fait, ça fait déjà un an. Je l'ai composé en février l'année dernière, juste avant le début de la pandémie. Tu sais, tout ça s'est développé dans un monde nouveau, un peu, comme on peut dire. Puis Effectivement. c'est ça, on l'a enregistré cet été au mois d'août. Puis toute la post-production de l'album, ça s'est passé à l'automne. Puis c'est ça, c'est quand même un court laps de temps, tu sais, pour la production d'un album. Je sais que c'est pas habituel, disons. L'album a une forte identité artistique, qu'on passe par les clips, par les covers de singles ou d'albums. Comment est-ce que tu en es arrivé à avoir cette vision-là, qui est très claire et qui suit très bien? En fait, c'est que les chansons décrivent beaucoup des univers inventés, des non-lieux, comme des lieux un peu fantaisistes, tu sais. Puis l'idée avec la pochette, c'était justement de recréer, tu sais, un peu cet espace-là où cet album-là pourrait comme se dérouler ou tu sais apparaître, fait que puis aussi tu sais une forte inspiration de Twin Peaks, je dirais, justement tu sais dans cette idée-là d'un non-lieu, tu sais dans Twin Peaks ça apparaît, tu sais, tu sais pas trop comment ils se retrouvent là, ils sont dans la forêt, puis là tout d'un coup boum. Il se retrouve dans un lieu où il y a un plancher en damier, des rideaux rouges en velours. C'est un peu cette idée-là de recréer cet espace qui peut être à la fois réconfortant, mais vraiment étrange puis épeurant aussi. T'sais. Est-ce que tu vas avoir un décor en scène si jamais les salles de spectacle ouvrent et nous permettent de pouvoir faire des concerts? Est-ce que tu vas avoir une espèce de décor qui va suivre cette direction-là en spectacle? C'est sûr que j'aime beaucoup quand il y a une scénographie. Tu sais, les spectacles qu'on a fait avant pour première apparition, il y avait beaucoup de plantes sur scène, beaucoup, tu sais, de cette idée-là un peu de jungle. C'est ça. Puis justement, là, on commence à préparer puis à parler du retour sur scène, tu sais, pour présenter l'album. Mais comme, tu sais, tout ça est incertain en ce moment, la scénographie, c'est un peu plus compliqué, tu sais, de préparer tout ça. Mais c'est sûr que je veux développer au moins, tu sais, un côté costume qu'on va faire justement pour les prochains concerts. Puis on verra, tu sais, qu'est-ce qui est possible, puis qu'est-ce qui respecte, tu sais, les mesures en place. Mais c'est sûr que l'idée, c'est de créer comme une scène qui va bien représenter, tu sais, l'univers de l'album.